Et bonsoir, bonsoir. Allez, on va ce soir pour le planning, ça sera The Last of Us redécouverte. Voilà, version PS3 bien sûr. Compris Left Behind dans le lot, donc j'ai jamais fait Left Behind, ça sera la bonne occasion de s'y mettre. Alors, et moi je fais un petit tour dans les options, je vais vous mettre des sous-titres, tout ça, vous mettre la VF aussi, tout est déjà mis. Le moment facile, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec les munitions, c'est une redécouverte, hein, pas un challenge. Voilà, envie de montrer un peu vraiment tout ce qui était possible de faire dans le jeu, avec la ferraille, les armes. On y va! N'hésitez pas à me dire s'il faut plus de son, si tout va bien, s'il y a un souci. Moi, sur le retour OBS, je vois que tout va bien. Ça sera en 30 FPS sur OBS, hein. J'ai pas voulu trop tirer sur la co parce que. Voilà. C'est grâce à une appli que je joue au jeu donc. Jamais qu'il puisse avoir une coupure, ça peut arriver, mais dans ce cas, c'est les serveurs Sony. Hein. Moi, mon stream se coupera pas, mais bon, pour elle, le jeu pourrait se couper comme ça. Ça ne devrait pas arriver. C'est jamais, parce que là, quand j'avais fait le test, j'étais en Wi-Fi. Tommy, Et comme j'ai le Wi-Fi, écoute-moi, c'est s'arrête net l'entrepreneur. à la chambre où je C'est dors. l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Pourquoi il n'y a pas de On en parle demain sous-titres? matin. Ça s'active pas ici? Ok, bonne nuit. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Mais on continuera Vampire au matin. C'est largement l'heure d'aller coucher. On continuera Last of Us au soir. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatigué pour ça.
Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie... C'est que la manette PS4 est compatible, c'est ça gentil, c'est cool. Mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues. Pour moi, c'est 60 FPS. Ah, cool. J'espère que pour tu vous, c'est aussi pour regarder. Ouais, dans tes rêves. Là, c'est que ça tire même pas sur le PC, quoi. Ça tire même pas sur le propos, rien du tout. En plus, j'ai mis en sorte que le stream soit retranscrit sur la carte graphique, comme ça, c'est nickel. Ça, c'est un jeu PS3, on saurait même pas dire que ça en est. Bonne nuit, trésor. Non, c'est très bonne idée que qu'ils ont eu là avec PS Now, c'est une très bonne idée. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oui, qu'il y aura peut-être un... Oncle Tommy? Un lag, ça viendra des serveurs Sony, pas de moi. Je vais faire un check OBS vite fait après la cinématique. C'est les aléas du direct. Voilà, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas les sous-titres par contre. Hop. Alors moi ici tout va bien. Tout est... Je suis à 2 ms seconde, tout est gratuit, tout est nickel, c'est parfait. Je suis super content, ça me file le sourire. Parce que bon, on avait marre d'essayer de faire fonctionner des vieux jeux Steam qui ne fonctionnent pas avec Windows 10, et là, tout fonctionne. Oh mince. J'ai oublié de lui donner ça. Ouais, que le début est un peu lent hein, quand on joue ça. Il marche pas. Est-ce que j'ai bien changé le titre, moi? Moi, je pense que oui. Je vérifierai, je pense. Papa? N'hésitez pas à parler, vous avez des questions, tout ça. Il y a une chaîne YouTube avec les anciens Let's Play. Il y a une description. Papa! Tu es là? Où est-ce que t'es passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Prochain jeu après Last of Us qu'on fera. On dirait qu'il se passe quelque chose. Je l'avais déjà prévu au planning. Ça sera Killzone premier du nom. C'est quoi? Sorti sur PS2. Qui sera en parallèle avec. Ça dépendra si. À quelle fréquence on avance dans Vampire dans les heures de stream où je le fais. Je me fais un petit planning, je le mettrai sur Discord, ceux qui ont le Discord. Papa?
Ça, c'est encore un chat qui a renversé les poubelles, ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il y avait une de ces putains d'ambiances dans ce jeu, c'était affolant. C'est son téléphone. Il t'appelle en absence. Et où est-ce que t'es? Rappelle-moi, j'arrive bientôt. Où est-ce qu'il est? Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là. Salut à toi, Agnan, bienvenue. Jimmy, je te préviens. Allez. Tu l'as tué. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Tu m'as bien compris? Ouais. Tommy, allez. T'es passé? T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? Pas rien. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. S'il te plaît. Paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Une sorte de parasite ou je sais pas quoi. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. Oui, passe une bonne journée. La radio? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de portable. Ouais, tout se passe bien. J'espère toi aussi. Les journalistes s'arrêtaient plus. Ils ont dit où aller. Mais installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Traverse. Ça veut dire qu'on doit décamper ici. Prends la 60-61. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Merci du follow. Bienvenue à toi. Comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Oh merde. C'est la ferme de Louis. Renaud, ils ont incendié la ferme de gros Louis. Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Quand même, il y a quand même une nationale qui s'appelle le Darkwood, quoi. Alors, ça donne pas envie de tourner. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Je checkerai job OBS de temps en temps, voir si c'est fluide. On a de la place. Continue, Tommy. Quelqu'un d'autre passe. Peux-tu les aider? Oh, sacre. Il fallait que tout le monde ait la même putain d'idée. Demi-tour et... Qu'est-ce qui vient d'arriver? T'as vu ça? Oui. Ici.
Cette personne avait un petit creux. Non. Je fais de mon mieux. On peut pas rester ici. Mais je peux pas leur foncer dessus. Alors ouais. Fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là. Accroche-toi. Allez. Recule, ma puce. Recule. Je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a ? Mal comment ? On va devoir courir. Merde. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Il est mort. Ça vous dirait peut-être un petit peu plus de luminosité, je pense. Alors si je peux faire ça. Serait-ce que pour vous. Oh, un peu mieux. Trappe l'ambiance. Par là-bas. Par le bouffe, la grosse. On va s'en sortir, c'est promis. Pas le temps de niaiser. Là. Viens, ils sont trop nombreux. Par ici, dans l'air. C'est sur l'appli PS Now, mais c'est la version PS3 du jeu de l'époque, donc normal qu'elle bave un peu, qu'elle soit pas aussi belle que le remaster. Normal, on tantinerait trop. Pour moi j'ai la même optique que j'avais sur ma PS3 à l'époque, ça le plus belle. Ouais bon, comme leurs manettes n'ont pas changé au fil des ans, la manette PS4 passe très bien. La sensibilité est bonne. Et... Qu'est-ce que vous avez vu, on passe en gameplay, on est un petit peu... Ça va chérie, c'est fini. Ça ralentit un petit peu. Et quand on passe en cinématique, elles sont magnifiques. On a besoin d'aide. Stop, elles s'il ont pas vous été plaît. Faites, je crois, je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri. Fait on revient petite découverte aussi. Ok. Chef, il y a une petite fille. Mais. Exécute les ordres, Troufion. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste. Chante-lui du Johnny. Du côté Johnny Hallyday sur plein de caméras. Je vous en prie. Oh non.
Sarah! Ok, enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah! Chérie! Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Oh, Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. C'est l'été. Oui, j'arrive. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seul, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Je vais essayer. Putain, saloperie d'aérophagie de merde. On a que quelques heures. Je vais essayer d'aller jusqu'au revolver aujourd'hui. Je vais essayer vraiment d'avancer un grand coup. Oh mort, de 3 jours il sera bouclé le jeu. Hein. Je me souviens qu'il... du cheminement. Petit instant, je fais mon vérification. Hop. Et j'en profitais aussi pour aller chercher vite fait un petit truc.
un pull parce que j'ai un peu froid. Alors. Débit, c'est bon. Les MS, c'est bon. Ouais, putain, ça. Ça tourne, mais comme. Ça tourne comme une pendule. C'est génial. J'arrive. Et ben voilà, on est déjà reparti. J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. Ok. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats. Et suivons le gros cul de Tess. C'est attention. Parti. Tout citoyen doit se souvenir en permanence d'une identification valide et obéir à tout le personnel de la ville. Regarde ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. C'est parce que t'as tout mangé, à vous. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Nous avons eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Surtout, reste cool. C'est bon. Circulez. Papier, s'il vous plaît. J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. Voilà. Tous les civils ont l'obligation d'évacuer. Le début toujours un peu lourdingue, le temps de t'expliquer les commandes. Ça aurait été trop beau. Rafistole-toi, ok? Fermez tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur? Ou alors, on laisse Robert s'en tirer? C'est ça. Et Tess,
T'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Salut les gars, comment ça va? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça? Vraiment faire gaffe à ce qu'ils jettent ici. Et la lumière, toi. Allons prendre notre matos. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas, alors. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Elle veut que je la fasse grimper au rideau. Ok. Prêt? Bien, madame. Allez. Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège? J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben je suis du genre romantique. T'as d'autres atouts. Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. À l'échelle.
d'œil dans le fond. Je pense qu'elle est dans le fossé ici, je me rappelle plus en fait. Ouais, le fond là-bas, ouais, juste. Moi que... Je l'ai. Super, apporte-la ici. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Faut descendre par là. Robert a toujours nos armes. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison ? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends, des sports. Mais d'où est-ce qu'elles sortent ? Il n'y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. On n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde ! Ça va ? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Par ici. Doucement. Putain. Attention, attention. Aidez-moi. Mon masque a pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire ?
bien. Désinfecter, essaie de s'infiltrer dans la zone. Même si tout le monde se plaint, il y en a tout un tas qui rêverait de vivre. Nickel, ça va toujours si bien, c'est chouette. À l'intérieur de la... On entend, on peut apercevoir un petit micro freeze, mais c'est bénin, ça se voit à peine. Bah ça c'est serveur Sony, je pense. Une chose que j'aime ici, c'est ça. J'ai horreur de l'odeur qui revient. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Hé, hey, ce serait une bonne idée s'ils n'étaient pas tous périmés. La planche est tombée. On peut y aller ? Ouais, j'y vais. Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Thank you.
me demande si dans le 2, Ellie aura les mêmes... les mêmes trucs que Joël, c'est-à-dire de pouvoir... avoir un holster, une arme dans le dos, des trucs ainsi. Assurons-nous. Ce serait chouette qu'on puisse jouer Joël aussi. Qu'on puisse à un moment du jeu, qu'on puisse alterner entre l'un et l'autre. Qu'on puisse les stuffer et les équiper séparément l'un de l'autre. Ça serait... Je demande peut-être beaucoup à Naughty Dogs, hein, mais ça serait super. Parce que moi, jouer que Ellie, j'ai peur que ça me passe un peu chier. Surtout que j'adore ce personnage-là. Et pour moi, il a pris une grande importance dans le premier jeu. Quoi. Ferme-la. Ça, on a déjà de bonnes chances que Joël il y passe hein, dans le 2. Forte chance. Hey, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok? Silo, t'explose la tronche. Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Pas de carte de rationnement, pas la peine de me faire perdre mon temps. Je suis pas là pour faire du troc avec des balles. Maniez-vous, on crève de faim. On se calme un peu. La prochaine tournée arrive tout de suite. T'as intérêt à faire la queue comme tout le monde. Putain. Oh ça va, j'en veux pas de ton rat burger. Désolé, mais tous les chiens sont déjà réservés. Je les ai vendus en moins d'une heure. Rien dans une semaine. J'espère que les chiens, c'est pas pour les bouffer, quand même, ça serait horrible. Si tu touches, tu payes. Tess, ça faisait un bail. Tu nous rends plus visite. C'est qui ? Une vieille prise de tête, cherche pas. Ce type stocke tout un tas de conneries dans cette vidéo. Wow, attends un peu. Ouais, là. Je cherche Robert. Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore.
C'est parti. Faut qu'on passe. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas ici immédiatement. Planquez-vous. T'es prêt? Oh, c'est fait. Je te couvre. Ouais. Élimine-le. Vous allez vous faire la peau. Oh, ça, tu vas le payer. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. On ne peut pas passer par là. Hé, aide-moi à monter. Donne-moi ta main. Ok. Ici, Joël. Encore des gars de Robert. Comment tu sais? Je les vois. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Allez, on fouille le coin. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert, alors? J'en sais rien. Mais c'est quoi, ça? Putain, je crois que ça fait par là.
Lol. Mais lol et lol. Pas grave, je vais te décoincer. Faut vraiment les garder pour les claqueurs, ça. On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Ils nous auraient ralenti. Ouais, t'as raison. Viens, les quais sont par là. Ah ouais, c'est maintenir, moi j'appuie, moi je spammais la touche. Voilà notre âme. C'est ça, fils de pute. Et allez, finissons-en. Prendre ces boulots pourris de garde du corps. C'est bon.
Mais comme les gâchettes sont un peu différentes, ce n'est pas la gâchette du pack. Bureau là. Robert a dû s'y réfugier. On y va. Reculez, reculez, bordel! Juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Va! Robert! Joël, par ici! Il s'est réfugié ici! Joël, sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué, d'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, merde. Ah, stop. Stop, stop. Merde. Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah, enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez!
On s'en fout des lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allez, c'est une luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant! Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Ça ira. Putain, c'est temps, on va faire une petite vérif. Alien Blur. J'espère que tu vas bien. Nickel, toujours nickel, super. Wow, c'est probant ce... Ce système de diffusion. C'est chouette. Ouais, ça avance bien. J'espère pour toi que tu n'es pas trop crevé ou pris la tête. On va faire une petite save. Faire une petite save et on continue. Salut THX. Thank you.
Les soldats. J'espère que tu vas bien aussi. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Sean Blair. Je prends celui-là. Ah ouais, logique, logique. C'était l'inverse qu'il fallait que je fasse. Bon, discrétion passera. Ça devait pas se passer comme ça. Rien de crier des balles pour des prunes. Des mecs qui étaient en tenue de combat. Ça, j'ai pas mis une difficulté trop haute non plus, donc. Ah bah ils sont généreux, super, oh bah, ça colmate. Si les guignols d'or n'ont pas lâché des balles aussi. On va faire toujours du rab. Ah. On a eu des lives. Oui, ce sont les serveurs Sony. Quand vous avez un lag comme ça, c'est que le serveur Sony a flanché un bref instant. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal de pouvoir jouer sans émulateur à des vieux jeux. Enfin, à des jeux qui datent de la PS2, PS3 sur PC, quoi. Dire c'est cool, c'est la même chose un peu qu'un Netflix, en plus l'application se capture très bien avec OBS. Moi quand même pas, moi que les émulateurs me cassent les couilles, bah j'ai trouvé le bon filon. Ouais, ça c'est joli hein, j'ai mis OBS en 30 fps, j'ai laissé en 2500, ça passe nickel. Moi ici j'ai pas de pertes en tout cas. S'il y a des pertes, elles viennent de chez Sony. On est passé où Marlène? Parce que je me suis. Oh, il faut descendre par là. Allez. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Donc il y aura vampire en matinée, hein, comme je leur dis. Vampire en matinée.
bon, bah, je dois me lever le matin, donc pour mes, on est mes cachets. Donc voilà. Et le soir, il y aura un autre jeu un peu plus chill. Voilà. Ce sera moins. Voilà. Il y aura deux jeux. On va faire les jeux par grappe de deux. Et j'essaierai de suivre la continuité en continuant à mettre les épisodes sur YouTube. J'ai nettoyé un peu la chaîne aussi. Enfin, j'ai nettoyé un peu la description de chaîne parce que la liste des jeux finis, je me suis dit que c'était une grosse connerie parce qu'elle obstrue beaucoup de ma place dans mes panneaux Twitch. Règlement pareil, de toute façon. Il y aura un seul règlement à partir de maintenant, c'est tu me fais pas chier, je te fais pas chier. Ça va être simple. Oh. Attends un peu, relève-toi. T'approche pas d'elle. Lâche-la. Range-toi notre pidèle, morveuse. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes? C'est pas une missiole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Mais les jeux finis, je la garde quand même, hein. C'est juste qu'elle apparaîtra plus dans les panneaux Twitch. Je la garde quand même à jour, qu'elle est dans mon bloc-notes, c'est bon, quoi. C'est notre seule chance. Ça, je suis sûr de ne pas rejouer à un jeu que j'ai déjà fait. C'est elle qu'on fait sortir. Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Prochain jeu du soir après Last of Us, ça sera Killzone premier du nom sur PS2. À notre camp. Enfin, qui était sorti sur PS2. On fera rien sortir avant. J'aurai un test avant pour être sûr. Viens avec moi. Pour acheter un œil aux armes, et je pourrais me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. La merde, je fais pas avec lui. Tu les connais d'où? Attention, Ellie est une jeune fille pleine de poésie quand elle parle. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. Une vraie Michelle Rodriguez dans l'âme. Qui quitte la milice. Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Un beau jeu de lumière quand même pour. Maintenant. Il y a aussi le côté. Il y a mon PC aussi qui rend le rendu assez beau. Ne t'éloigne pas. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que ça tire pas sur le PC, c'est ça qui est cool. Ça tire pas sur le PC, ça ne. C'est beaucoup moins. Là, ma carte graphique travaille même pas en fait. Elle travaille juste pour faire fonctionner OBS et c'est tout. Oh, j'ai entendu le tir, mais. C'était quoi? Les lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Je te suis. Elle passe où ma planche? J'avais pas une planche. Ah, c'est vrai, elle a pété. Elle a pété quand j'ai fracassé la gueule de l'autre. Par ici. Allez, dépêche-toi. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Donne-moi une minute. Mmh.
tunnel. Vous faites des trafics dedans? Oui. Des trucs illégaux? Parfois. Et une gamine, c'est ça? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère, mais elle connaissait. Et j'ai 14 ans, même si j'ai pas trop. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail, tout ça. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi? Je suis sûr que tu es sorti sur PS3 et il avait pas mal d'avance sur son temps quand il est sorti. C'était impressionnant, c'était bluffant la qualité. Donc petite anecdote rigolote, c'est que Ellen Page a fait un procès. Parce que trouvait que le personnage ressemblait trop à elle. Parce qu'à la base, c'était pas prévu qu'il y ressemble à Ellen Page, quoi. J'ai horreur des cauchemars. Ouais. Apparemment, ça s'est fait sans son consentement. Bon, là, le jeu va commencer à démarrer doucement. On va être moins... J'ai jamais été aussi proche. On va être moins bridé. Fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolé d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y. C'est là que les ennuis commencent. De course. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Ah merde, ouais, faut vraiment que ça soit en bas. Qui nous attend au point de rendez-vous? Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, comme ça.
va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait être livré à eux d'ici. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. On vérifie que la voie est libre. Bougez pas, il y a une patrouille en approche. Ok, c'est bon, montez. Ah, Runbler. Allez, petite. Lâchez. Ça a l'air d'avoir un tempérament quand même. Cette pluie ne va pas nous aider. Par là-haut. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Pas très fair play, tout ça. Dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolé. On allait juste les retarder ou un truc du genre. Merde. C'est qu'on va savoir l'ignoble vérité. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. On va transporter la plus grosse charge de l'humanité entre nos mains. Un remède potentiel. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Encore falloir courir. Prête. Ouais. C'est bon. Ils sont partout.
est derrière moi. Attention, faut pas qu'il nous voie. C'est par là. Tu es mis à quelle heure, Andrew, ton déplacement. J'y vais un peu. C'était pas prévu au programme. Il y a de la puissance de feu, lui. Ouch. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Ça donne quoi? Je crois qu'on peut passer par là. Merde, merde! Encore des soldats. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Restez dans la...
On est en sécurité? Non, ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Compris, chef. On pourra bientôt crafter des trucs, hein, c'est juste que c'est encore le début du jeu. Tess, en haut, dans ce conduit. Pour avoir un établi, on pourrait faire des améliorations, etc. Des trucs pour dégainer rapidement, parce que là, vous êtes souvent obligé d'aller dans votre sac à dos au début, si vous voulez préparer vos armes à l'avance, etc. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici? Et si c'était vrai? J'arrive pas. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. J'espère que ça vous plaît en tout cas. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à refaire le jeu. La dernière fois que j'ai joué, c'était à sa sortie PS3. Hein. Je regarde les dates exactes, mais voilà, donc c'est un bail que j'ai pas touché à ce jeu. Les limites, j'aurais pu me mettre en rétro, mais je me suis dit, oh non, ça va être con de faire ça. Je passe ce jeu, n'est quand même pas vieillot à ce point. Ça. Ouais. Mais ça venait d'assez loin. Merde. On est en sécurité? Pour l'instant. Allez.
bientôt recevoir une nouvelle arme, normalement. On va bientôt recevoir l'arme qui va faire office un peu de, d'arme de soutien très utile. On aura le revolver bientôt. Quand on sera dans les buildings, on va recevoir le magnum, comme au début du jeu. Bien sûr, on va trouver autant, bien sûr, on trouvera tout autant de balles que pour le 9 mm. Il sera possible de mettre sur Joël, en fait, les deux armes en même temps. Il sera possible de se concevoir un holster. Et on va pouvoir dégainer, passer de l'un à l'autre instantanément, en fait. Ce qui va être une... Et on verra que Joël aura une espèce d'étui, enfin d'étui sur le côté de son ceinturon. Par ici. D'autres armes viendront s'ajouter à l'arsenal par la suite au fur et à mesure que vous avancez. Tu vois quelque chose, toi? Continue. Tu vois quelque chose? Contente-toi de rester avec elle. Chaque arme est customisable en termes de puissance, d'accessoires, de trucs ainsi. C'est vachement cool. Le jeu est assez complet dans son deal. Hey Tess! Donc ici, on va faire la rencontre un peu des créatures qui sont un peu à l'origine de ce bordel. Des claqueurs et il y aura plusieurs types de créatures sur le jeu. La ferraille, c'est ce qui va vous permettre de customiser un peu tous vos bordels. Faire un point OBS, voir si tout va bien. Ouais, ça, tout va bien ici aussi. Super. C'est bon, on est reparti. Je relance le chat vite fait. Voilà. C'est bon. Par contre, j'ai le compteur de spectateurs qui est bloqué. Il est marqué que vous êtes plusieurs et pourtant il m'affiche toujours un. C'est bizarre. Ils sont morts. Ou alors, le truc ne se met pas à jour. Vous aimez le chou-fleur ici, vous allez être servi. Mais alors ils sont aveugles? Si on veut. Ils se repèrent au son. Comme les chauves-souris? Les chauves-souris, s'il y en a un qui claque, cache-toi. Dans les escaliers, est-ce que je me souviens, il y a du loot si on va plus haut. Faut quand même aller checker. Ah. J'ai trop de matériel, mais je peux pas encore crafter.
Ouais, je pense que le craft il vient en son temps. On peut pas encore crafter. Le problème c'est que j'ai déjà tellement été économe que j'ai tellement déjà du matos. Tant facile, le matos peut vite grimper. J'ai pas voulu me mettre en trop dur parce que bon, le but c'était quand même de vous montrer un truc complet du jeu. Voilà. D'essayer de vous montrer le maximum de customisation parce que ouais, le jeu je le fais qu'une fois. Parce qu'il y a un New Game Plus où vous pouvez recommencer avec tous vos stuff, tous vos bordels, qui est un New Game Plus très intéressant à l'époque. Vous pouvez recommencer directement avec vos armes customisées à fond. Mais les kits médicaux, tout ça, ça va se crafter, il n'y a que les munitions qui ont besoin d'être trouvées en fait. Donne-moi un coup de main. Oh, les claqueurs sont très véloces et peuvent vous one-shotter. Le seul moyen de les repousser, c'est qu'il faut absolument des couteaux. Enfin, les surins. Sauf que les surins, c'est une utilisation en prise-brise en fait. La vache! Comment c'était tendu! Ah, et voilà, on nous explique le craft. Voilà, vous avez aussi des perks avec les points que vous pourrez augmenter avec le temps. Aller rechercher ce que j'ai laissé derrière, ça sera toujours ça de prix. Par même mieux, on va se faire la blinde de surin. Essayez de pas les gâcher. Tiens, remets-toi sur pied. C'est sympa. Les surins aussi peuvent être très utiles parce que de temps en temps vous trouvez des caches qui contiennent parfois énormément de matériel. Prendre la brique que la bouteille, parce que la brique vous avez toujours une petite chance de fracasser la gueule de quelqu'un avec. Donc c'est super utile.
Regarde s'il y a un moyen de passer. La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Allez. C'est ça. Ok. Allez. Ok. Ok. Des claqueurs? Oh merde! Go, go, go! Plutôt comme ça, n'essayez jamais trop de les affronter en combat frontal, sinon 30% de chance que vous y passez. C'est bon. Ellie, tout va bien? À part que je me suis pissée dessus, ça va. C'est parti. Juste une minute. Et voilà, mesdames. Ok. Allez. Ceci, ça peut toujours être utile. Au frac, ça marche aussi. Et on récupère le magnum. Enfin, le revolver. Alors, en fait, quand on n'a pas les tuyaux, il faudra à chaque fois aller dans son sac à dos pour switcher celle qu'on veut et préparer nos stuff à l'avance. Mais l'étui, ça va être le premier truc, je pense, que je vais crafter parce que c'est super utile. Vous avez un Joël après qui peut dégainer très facilement. Et qui a les deux armes à portée de main dans son froc, en fait. En fait, t'arrêtes comme ça, il prend l'animation de faire ainsi. Après vous changez. Ça sera plus, c'est plus un gain de temps de faire le 9mm d'abord vidé et le magnum en dernière course. C'est toujours comme ça que moi j'ai fait. Je vous explique pour le LOLs, mais...
descendez. Ouf. Tirons-nous d'ici. Ça aurait pu être vraiment pire. Par contre, le coup des deux sur un pour le claqueur, c'était useless. Je me rappelle pas quand même qu'en combat frontal, il fallait quand même deux sur un pour en coucher. Go. Ok, tiens bon. C'est bon, on peut y aller. On peut passer là. Attention. Je décèle une petite latence quand même, je vais aller vérifier ce qui se passe. Ça ne vient pas de chez moi, évidemment. Merci quand même Sony de faire l'effort. Il doit y avoir beaucoup de monde qui joue sur leur serveur, enfin qui joue sur ce système-là, donc... Il y a aussi peut-être des petites optimisations de jeu vu que c'est la version vraiment PS3. Ce n'est pas le remaster, ce n'est pas le... En fait ça le fait à des moments précis quand t'arrives à certains endroits. Ouais, je pense que c'est plus l'opti de la version PS3. Tu veux souffler un peu? Et toi tu m'envoies toujours chier. Bon, pas cette fois. J'attends de le voir pour le croire. Les effets de pluie aussi, ça peut être... Ça peut être un peu casse-pied.
ici. Regarde sa manche. Une luciole. Ouais. Ces types tombent comme des mouches, en ville comme à l'extérieur. Espérons que... qu'il reste quelqu'un au rendez-vous. Salut Arashiki. Ils viennent de la zone de quarantaine. Joël, passe devant. Je couvre nos arrières. Ellie, quoi qu'il arrive, tu restes sur ses talons. D'accord. Ouvre nos arrières. Ça marche. Moment délicat, première fois que j'ai fait le jeu, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois ici. Surtout que si tu veux, comment, enfin, avoir... Ah merde! J'ai pas vu madame! Littéralement parti en couille. Ah, j'avais pas vu la grognasse qui était en train de manger là. Ouais, c'est vrai, ma barre de fer est complètement... Je me suis dit pourquoi ma barre de fer a pété en deux coups, mais j'avais pas vu là. Okay. Côté d'un coffre-fort qui est ici dans la zone, si je me souviens bien.
C'est presque terminé. Allez, merde. Attends, j'ai reçu un message. Voilà. Oh, on va pouvoir chercher le coffre-fort qu'on a dit. Tranquillement. Gardez ça, je pourrais toujours la finir sur quelque chose ou quelqu'un. Arrivé de là, les coffres, c'est ici, il y a des coffres.
Ou encore la sortie de ce couple, je l'arrête parce que... Ah ouais. Il n'a pas fallu qu'il y en ait un qui campe la sortie. Merci du follow Yoshingo, bienvenue à toi. Ouais, Monster Hunter World, c'est sympa, c'est juste que c'est pas trop mon délire quoi. Je l'avais vu un peu, enfin je l'ai suivi avec attention à l'E3. C'était un peu, comment dire, il est un peu trop, j'ai peur de... En fait, ça m'a l'air d'être beaucoup axé sur d'aller taper sur les monstres, ramener les composants, se faire des nouveaux stuff, enfin, voilà. Vraiment rouillé sur la visée. On va aller rechercher les balles qu'on a laissées derrière. On est un peu trop cramé comme un abruti. Bon, moi je sais que la sortie est par là. Le début du jeu, je la joue cul serré avec les balles, donc ça... Quelques bastos dans le vide, c'est pas si grave au final. On en a laissé derrière, on en a laissé là au début. Ouais, niveau graphisme, niveau game design, je le trouve vraiment cool, ça y a pas de doute. Ouais bon, il m'a l'air d'avoir une sacrée tendance MMO, un peu MMO sur les bords, et un pattern aussi, un pattern à apprendre sur les monstres, à mon avis spécifique, parce qu'on dirait qu'il y a des tactiques pour chaque créature réagit pas pareil. En ce moment je suis plus un peu jeu sans prise de tête. Comme j'ai énormément de jeux à faire, c'est pour ça que ça sera vampire, enfin actuellement le jeu en journée ça sera vampire. Comme ça je varie entre un jeu qui enchaîne un peu plus l'action et l'infiltration, un RPG, enfin, voilà, comme ça je joue un peu sur les deux. Point. Et puis aujourd'hui c'était un peu exceptionnel que je fasse ça comme ça, c'était un peu test, c'était un peu là la phase test, voir si... Ça fonctionne plutôt bien, hein. Je dirais, en fait, les éventuels parfois, tu vois, les éventuels parfois de temps en temps t'as un freeze, ou alors soit c'est la version PS3, parfois ça le fait pas, ou alors c'est les serveurs Sony qui ont parfois un peu de mal, mais... Oh, c'est très bien, le jeu. En fait, j'utilise même pas un quart de mon PC, ça qui est étonnant. Maintenant j'espère que pour le débit, la co-internet, j'espère que ça n'use pas plus que d'habitude et que ça n'use pas plus la facture. Enfin ça m'étonnerait fort hein, vu que je paye quand même l'abonnement. Donc ça m'étonnerait que Sony me pompe ma co plus que nécessaire. En tout cas là je reste fluide, j'ai laissé OBS en 30 FPS. C'est pas où, Ouais, j'ai vu la HD Collection. J'ai feuilleté. Le prochain jeu du soir après Last of Us, ça sera Killzone, premier du nom. J'ai déjà fait ma petite liste en fait. Ce que je voudrais enchaîner. Pour Killzone, je me fous en rétro hein, parce que ça, c'est. Le jeu est assez. Sortez-vous! Merde.
infecté récemment. Ces soldats viennent de se transformer. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les parages. Il y a que la Silent Hill HD Collection que je suis un peu réticent parce que... Je me souviens quand elle est sortie sur PS3, elle était catastrophique. Je pense même qu'elle a été retirée de... Elle avait même été retirée de la vente. Dans l'ensemble, c'est pas plus mal, j'ai dû juste refaire un peu le setup de mon bureau parce que, comme je veux pas rester trop droit devant le PC, bah je fais gaffe quoi. À cause de... Donc je me suis mis avec un coussin et ça passe mieux. J'ai mis un truc pour poser mes gibolles. Voilà, j'essaye d'aller jusqu'à la mort de Tess. Je pense que je m'arrêterai là pour ce soir. C'est parti. Là-dessus. Premier craft qu'on fera, ça sera peut-être une optimisation d'armes et crafter les tuyaux. Pour avoir directement les deux guns, même la ceinture. On accélère. Oh, ils arrivent. Je sais. T'as un truc sur ta chaussure. Bon, comment on sort de cet endroit ? On va bien trouver. Marlène pense que t'es immunisé ? Ouais, ça c'est ce qu'elle croit. Je lui ai demandé. Voilà, on est ici au craft. C'est un endroit non autorisé pour tomber sur des infectés à l'intérieur de la zone. On n'a pas encore de pince. Ah, galère. L'accès à cet endroit est interdit. Comment t'y es entré ? Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà, c'est tout. On s'en sert à rien faire. T'étais avec Marlène quand tu t'es fait mordre ? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ouais, pour l'instant, c'est mieux c'est de laisser accumuler les bordels un petit peu. Dernier surin, ne pas gâcher. On va refaire un comme ça au cas où. Oh.
Ok, attention à la tête. Go, go, go! Joël! Joël! Je suis en vie! Je vais essayer de vous rejoindre! Ils sont là! Tess! Go! Go! Merde! Tess! Comme les deux gâchettes, c'est pas la gâchette du bas, hein. T'as tout le temps l'habitude d'appuyer sur la gâchette du bas pour tirer. On va essayer de les passer sans les affronter. Près de la porte, il était casse-pied. Thank you.
Tess, ça va, tu tiens le coup? Je suis juste un peu essoufflée. Par ici, ça nous mènera au toit. C'est bon, c'est ce bâtiment. Ok. Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. Salut à toi, Shinogen. On y est presque. Reste concentré. Bienvenue. À vos ordres. Juste derrière. Allez. Ne t'arrête pas. On y est presque. On y est presque, Tess. Quelle difficulté? Vu que c'est une découverte un peu chill, j'ai mis facile. Parce que bon, là le but était un peu de remontrer, c'est comme c'est la redécouverte avant le 2. C'est de montrer un peu tout ce qu'on peut faire, essayer de montrer le maximum de craft, parce que le jeu je le fais qu'une fois. On va montrer tout ce qu'on peut faire, essayer de faire le plus d'améliorations en une game. Autant voilà. Que Marlène vous a embauché. Comment ça? Je sais qu'elle vous paie pour ça. Je voulais vous dire. Alors on est proche de la sortie du 2, on aura fait une petite. Petit retour sur ce jeu qui est pour moi un des meilleurs jeux de la PS3 à l'époque. Comme j'ai pas fait Left Buy-in, on va faire Left Buy-in qui sera une totale découverte pour moi, je ne l'ai pas fait en toutes ces années. Donc voilà. Oh. Non. Non, non. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh merde. Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme ça? Aussi loin qu'il le faudra. Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça.
Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance. C'est terminé, Tess. On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que non tu... Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joël. Encore mis tes doigts, est-ce qu'il fallait pas? Ça te fait pas. Fais-moi voir. Oh merde. Oh. C'est con, hein? Ce qui est marrant, c'est que ton pull n'a rien, donc on dirait franchement que tu que tu lui as montré volontairement ta nuque. Je me suis fait mordre il y a à peine une heure, et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où aller. Non, ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois, écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi? Alors, tu veux qu'on te laisse ici? Oui. Tess, il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars! Allez, fous le camp. Ellie. Désolée, je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Vous êtes là. Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air. Merde! J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Tais-toi! Laisse derrière moi, on doit y aller. Descendu de mes hommes. Oh non. Bien sûr. Tess. Vous, ouvrez la porte. Vous, avec moi. Bien fait. Alors, elle peut au moins faire durer le plaisir. Putain, c'était chaud! Je m'en occupe. Putain. Je les tiens.
Ouais, j'ai activé ma lampe comme un abruti, putain, ils m'ont vu. Okay. Ouais, bon, faut que je travaille un peu la précision là, parce que je suis un petit peu rouillé. On va aller les fouiller quand même. Bon, facile, donc les les combats à l'arme à feu, pour en profiter un peu sans qu'on soit en galère de mun. Allez, viens. Un peu pour ça que... Pas que ce soit non plus que de l'infiltration ou l'austérité la plus totale pour vous. Un peu partout, assurer qu'on n'oublie rien. Hop, voilà. T'éloigne pas, allez. Tant qu'on finisse sur une note un peu action. Maintenant ils sont morts, je vais pas aller rechercher les balles dans leur carcasse. Qu'est-ce qu'on fait? Joël, comment on va sortir? Ok, on va traverser cette salle. Reste baissé, je sais pas combien ils sont. Oui, c'est un peu pour ça, c'est pour oui, c'est justement à peu près l'idée, vu qu'en facile en facile les erreurs sont permises. En plus, il n'a même pas besoin de viser la tête, c'est ramasser la basse sans flingue. Ah, il y a encore envie. Il y a encore envie, d'accord. Par le flanc ! J'ai pris la brique au lieu du molotov. Alors lui, gros débile de l'histoire. En plus j'en chie beaucoup des balles. On est déjà refait. Voilà. Et toi. Allez.
combinaison pare-balles, ceux-là. C'est vrai que c'est un peu plus... quelque chose qui perfore un peu plus. Toujours les faire brûler. Quoi? Ouais, c'est bien ta combinaison par balle, mais ça protège pas des patates. Voilà. Autant vous me remettre un peu aussi dans le bain. Dernière fois que j'ai joué, c'était à sa sortie sur PS3. Là, la sensibilité n'est pas la même que j'avais à l'époque. C'est un petit peu délicat. On voit, on est plutôt bien tiré. Un soin de partie et j'en ai quand même déglingué pas mal avant de me faire. C'est les derniers qui m'ont posé un peu le souci. Mais bon, j'ai tellement de ressources que j'arrive même plus déjà à en ramasser, donc tant que ça serve un peu. J'essaie de vous montrer le plein potentiel du jeu. Laisse-toi. Il y a un soldat là-bas. 5 sur 5. Restez en position et attendez les renforts. 5 sur 5. Comment t'arrives à respirer avec ce truc? Tu vois, je te mentais pas. Tu les as vus? Non, il n'y a rien ici. J'ai rien vu du tout. Je vais voir de ce côté. Va voir en bas. Où est passé ce fumier? What the fuck, tu m'as vu comment? Résultat le même, y a pas eu de coup de feu. En parvenant de lui, mais pas de moi. Thank you.
Oh, j'ai jamais testé le multi sur Last of Us. Jamais été très... Jamais pris le temps de m'y mettre. On va trouver une solution. Je vous ai mis un peu plus de luminosité quand même parce que je voulais pas que vous ayez... Oh, regarde, elle marche. Donc le lore du jeu, hein, toujours à travers les notes. C'est trouver sa petite loupiote, elle est contente, elle va pouvoir faire comme Maître Yoda. À moi, je ne t'aide pas sinon. Tu me rends ma lampe torche, oui. J'en ai besoin pour sortir de ce marais boueux et crasseux. Crasseux ? Boueux ? Chercher, tu as trouvé quelqu'un, je dirais. Il y a une échelle. On peut essayer ça. Tirons-nous d'ici. Et voilà, on aura bien avancé d'un seul coup pour le premier soir. L'objectif que je m'étais fixé est accompli. Le stream vous a plu, vous avez envie de souvenir la chaîne, lâchez un follow. Il y a une chaîne YouTube aussi avec tous les précédents jeux que j'ai fait, enfin il y a énormément de contenu. Voilà, pour ce soir, après la cinématique, dès qu'on change de chapitre, on va... S'arrêter là, tranquille. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état.
Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis, quand je te le dis. C'est compris? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. On ira plus vite en passant. Mon passage préféré du jeu ici. Ici, ça a été pas mal d'action, mais ça pour demain. Wow. C'est important de savoir tirer. Bah voilà, c'est parfait, ouais, l'endroit c'est parfait pour faire la save. J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Ouais, bah tu nous raconteras ça demain, Ellie. Hop. Donc demain matin. À peu près, peu avant midi, hein, j'ai pas d'heure fixe. Mais dans la matinée, demain matin, on continue Vampire. PS4. Et ce le soir, ben, comme les heures aujourd'hui, vers. Dès que j'ai mangé, à peu près, ben, on enchaîne avec. On enchaîne avec la suite de Last of Us. Voilà. Je sauvegarde deux fois. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez été divertis. Bon, en tout cas, je me suis bien amusé. Cette nouvelle formule de stream que je me suis mis est sympa. Voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite la bonne fin de soirée, la bonne nuit à ceux qui ont se couché. Je vous dis à la plus pour le prochain live.